Quand je roule sur mon vélo, moi aussi je rêve de ressembler aux grands sportifs. Et quand j'arrêterai de faire du sport, tous ceux qui me connaissent diront: ce garçon est un sportif, un grand sportif. J'aime les pigeons. Et les grands colombophiles, partout à Tashkent, me connaissent. Ils viennent s'asseoir chez moi. Nous prenons le thé. Nous mangeons du pain. Si un ami vient le matin, nous faisons voler les pigeons. Quand je rentre de l'entraînement, les pigeons volent encore. Alors je dis, je m'entraîne et les pigeons s'entraînent aussi. J'aime les beaux pigeons. Donc les pigeons joueurs. Pour moi, les aigles sont plus des sprinters. Oui, les aigles. Ils sont très brusques, violents. Les pigeons, vous savez, si les aigles arrivent, ils les capturent. Ils m'en ont pris aussi. Alors, les pigeons ne sont pas violents, ils fuient les aigles. Le sprint des aigles est brusque. Risque bolalde. Donc ils attrapent les pigeons. Je pourrais dire, nous ressemblons un peu à des aigles. Salpal ma bourgut ki aushi bizda. Oui, c'est ça. Quand nous sommes au dernier kilomètre, le sprint commence. Mes coéquipiers s'écartent, c'est fini pour eux. Ils ne font pas le sprint final. Moi seul, ou 5-6 sprinteurs d'autres équipes font le finish. Alors, bon, là aussi, on peut avoir peur. C'est là que le sprint est le plus fou. Le plus fou. Là, tu ne vois plus personne. Moi, quand je sprint, dans les derniers 100 mètres, je ne vois plus personne. Personne. Velocista da brivido, quando lo vediamo alla televisione fare le sue volate, scodando in mezzo al gruppo, ci fa davvero soffrire e ci entusiasma. Si tratta di Gamaluddin Abdujaparov, il celebre Abdu. Harkunu. Tous les jours, quand nous nous asseyons chez moi avec les amis, nous nous souvenons. Ah, Jamaluddin, nous avons été avec toi et maintenant tu restes seul sur ce chemin. Bon, nous travaillons comme chauffeur, moi comme maçon. C'est pas mal, mais toi, tu as vu le monde entier. Et nous, qu'avons-nous vu? Tashkent, un peu Al-Malik et Fergana. C'est tout. Bravo. Vas-y. Roule pour nous.
Maintenant, il y a toujours la joie de gagner. Alors, si je ne gagne pas, qu'est-ce que je dirais là-bas, quand je retournerai à la maison? Si je ne gagne pas, ça me rend plus fort. Le plus fort. Je pense que je dois trouver la voie pour gagner. C'est ça. Je ne m'intéresse plus à rien d'autre. Maintenant encore, cette année, il faudra gagner. Si je ne gagne pas, je ne sais pas ce que je ferai. Moi, j'ai une mauvaise habitude. Si je ne gagne pas, je suis malade. Donc il faut gagner, c'est tout.